Toute la semaine, il y a une opération 10 de conduite jeune. Elle s'opère donc au lycée agricole de C. C'est un partenariat avec donc Groupama, la gendarmerie nationale, Renault et Total. Donc Renault fournit les voitures, la gendarmerie les animateurs. Groupama assure et fournit un bagage de formation et tout ce qui est Total, c'est tout ce qui est carburant. Nous d'abord, on va essayer de les sensibiliser aux dangers de la route. Tout ce qui est, on va aborder les thèmes donc danger de la route, danger de l'alcool, danger de la vitesse, de la drogue. Et puis il va avoir une partie théorique où ils vont passer un QCM, voilà, sur l'auto-école et tout ce qui est signalisation. Et ensuite ils vont avoir une partie pratique avec des vraies voitures, des Clio. Et là, ils vont partir peut-être pour la première fois donc sur un circuit sécurisé. Pour ce faire, on met à disposition des gendarmes réservistes qui ont le double commande sur le véhicule et qui vont les aider à démarrer, appréhender la conduite sur un circuit fermé. On a une approche différente de celle qu'on peut avoir au bord de la route, d'un point de vue pédagogique et puis prévention, c'est toujours intéressant. Ils nous voient sous un autre angle, quoi. Bon, on va rester sur du basique puisque pour la majorité, ils n'ont pas touché de volant dans l'immédiat. Donc déjà le démarrage, ensuite l'appréhension du volant, la position de conduite, comment appréhender toutes les commandes du véhicule. Donc là, ils effectuent un démarrage stationnement, ils partent, ils vont à un stop, ils redémarrent, ils font un rond-point, voire un petit échappatoire sur la gauche. Et puis ils reviennent, ainsi de suite, quoi. Donc cette opération s'adresse aux jeunes qui ont entre 14 et 16 ans. C'est une opération gratuite. Tout d'abord, les jeunes sont ravis de pouvoir y participer. Et puis, comme le disait le gendarme Auger, ça permet aussi de mieux connaître les gendarmes et surtout de les sensibiliser. Parce que même si parfois on les sensibilise, pour ma part, je les sensibilise au risque de la vitesse, des stupéfiants, de l'alcool. Ici, ils ont une autre approche par la théorie, mais aussi la pratique. Et puis aussi, ça leur permet de réactualiser certaines connaissances ou des croyances qu'ils peuvent avoir en confrontant un petit peu leur expérience avec les gendarmes. À bientôt sur tevie.tv.